Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal avec le Plan With Me du mois. Alors avant de commencer le Plan With Me, je voulais juste vous montrer la checklist pour partir en vacances. Bon, ça sera pas pour moi cette année, comme l'année dernière, il n'y a pas de vacances pour des raisons personnelles, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa quand même de rajouter ça dans mon Bullet Journal, peut-être pour vous aider aussi, si ça peut vous donner des idées. Voilà, bref, voici une petite checklist des choses à ne pas oublier avant de partir en vacances. Le planning du moment. Et ce mois-ci, je me suis vrament pas fait chier. J'ai utilisé que des die cuts et des stickers qui viennent de ce set que j'ai eu chez Action. Ainsi que des tampons qui viennent également de chez Action. Logiquement, pour le mois d'août, je voulais un thème sur les vacances, mais vu que je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main, et bien j'ai réalisé un thème sur les bateaux, les navires, un peu échoué, vu la couleur qu'ils ont. Voilà, et ça regroupe aussi un peu les pirates ou les coquillages, les poissons, enfin bref, tout cet univers-là. Voilà. Donc je pense que pour le reste de la vidéo, ça se passe de détails parce que je fais exactement la même chose comme tous les mois. Et puis bah voilà. Le calendrier mensuel et les trackers ne changent pas. Et ensuite, les semaines, c'est exactement la même chose. Donc ce mois-ci, c'est vraiment très basique, très simple, très minimaliste. Mais vu que bah, je pars pas en vacances, et bah j'avais pas envie de me casser la tête pour ce mois d'août. Voilà. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pour le mois d'août. J'essaierai de répondre à vos commentaires le plus rapidement possible, mais je sais, vous savez très bien que je suis assez longue, mais je finis toujours par le faire. Et en attendant, eh bien, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.